beaucoup plus tardant. Bon allez. Mais tout le monde s'est dashé, hein. Moi, je suis de retour pour faire le cast. Du coup, vas-y, je fais la transition. Alors du coup, là, on a donc Gazo Denis. Intéressant, super intéressant ce match. Moi, je te dis, c'est un match que je veux voir. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. C'est vraiment le match le plus intéressant parce qu'on a un joueur qui Denis qui est censé gagner selon Seed, mais selon le match-up, on devrait avoir plutôt Gazo qui a plus souvent gagné. Et c'est deux joueurs qui sont vraiment très solides et qui peuvent proposer un très beau niveau de jeu. Déjà pour l'instant on a un local qui semble être vraiment even, un coup c'est bien qui gagne, un coup c'est d'or, oh là là. Il sera plutôt connu de Richter. Ah ouais, en plus ce gros smash qui passe très souvent en plus, parce que ben, en fait tu prends tellement d'options avec ce smash et en plus t'as tellement de confirmes avec ce smash que ça devient galère, hein. C'est une très grande galère. En réalité si Gazo prend le set ici, il pourra aller très loin dans le bracket, tout comme Denis encore, mais Gazo c'est plus de l'offset donc Oh là là, dommage. Ça ne serait pas tué mais c'est très dommage. Oh, ça va pas loin, je pense à Catch Guard ça aurait tué. S'il avait Edgeguard, ouais, après si on dit si, on pourrait entendre des membres. Ouais, oh là 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 là. Water, F smash, ça passe, on aime bien. En fait, c'est vraiment là, tu n'as pas tech parce qu'il y a choisi la water. Ouais, ouais, c'est pas évident, en fait, c'est un peu d'amis. Ah, ouais, non, mais de toute façon, je pense qu'il aurait mieux faire un backer ou un upper à ce moment-là parce qu'en soi, Up Smash, déjà, je serais même pas sûr qu'il touchait peut-être le tipper et ça aurait été un seul Power Squad, tu vois. Un backer, ça aurait été bien meilleur pour toute la situation. Ouais, c'est possible, c'est possible. C'est pas grave. Mais là, on pousse off stage. Oh, la clé et on tue directement Gazo qu'ils attendent peut-être pas cette clé à ce que je vois parce que. En vrai, il faut toujours se dire que quand Pac-Man il a un truc, il faut se dire quelle trajectoire elle va faire et comment est-ce que je vais pouvoir éviter. Et là, Gazo, il a juste fait une mini route. Clairement. Clairement, il est en repart, deux stocks partout, bas pourcentage, le neutral qui est un neutral qui est très lent dans ce match-up. Bonne patience de Denis, parce qu'il s'il avait going, sur quoi que ce soit, il était genre exploité pour ça. Mais là, il a juste pas bougé derrière son hydrant, il attendait que l'hydrant part, c'est pas grave, on s'en fout de l'hydrant. Oh là là, double dans l'air de la part de Gazo. On a quand même un Denis qui arrive à mieux gérer les situations corps à corps, mais un Richter de Gazo qui est mieux à distance. On prend plus le wind neutral ici avec ce big peut-être par exemple en out of shield et le trap qui commence. Faut faire attention du côté de Denis parce que. Oh là là, on a l'end ouais, sur ouais. Ça, un Night Run, c'est très dommage. Bien les smash en trap. Ouais, c'était très. Faites super gaffe la part. Oh là là, un autre Richter de Gazo qui nous fait des double down. Mais là, on met les DI en tout cas de Denis, c'est des free DI pour le faire. Ouais, parce que là, il fait que les DI in, c'est ça. Ouais, parce que de base, tu peux envoyer à gauche du coup et c'est pas. C'est ça. Et la DF smash qui sur la crosse. Tout à l'heure, il se casse sur des F smash en lane ligne. Mais ouais, c'est fou. C'est fou, mais ils ont deux très bons F smash aussi. Hein. Oh là là, c'est très bien vu de la part de Gazo. Ça, ce joueur, c'est incroyable. C'est drunk down air into up throw là. Bah, attention parce que oui, light drunk, si tu. Je peux le casser si vite en fait. Ah là là, ça a dormi au ledge, non. Trop, trop fort, ce ledge trap est si fort du coup. En fait, ça a voulu être patient au ledge, mais ça s'est fait un F smash en fait. De remonter dans la game. Et on est reparti dans cette game 2, 1-0 pour Gazo. On bouge pas, on change pas les personnages pour l'instant, ça a l'air de marcher des deux côtés. Ici on trouve les combos, faire Galaga qui bouge pas. On veut trouver, et pour l'instant comme je l'ai dit, c'est les phases de Denis qui prévalent. Ici 45%, 51% déjà de prix pour le Pac-Man qui arrive à pousser. La cloche peut-être, finition, le smash qui bouge pas, c'était un peu trop. On trouve la fraise, on sert, on pose vraiment bien le jeu et on joue vraiment au cac en fait avec le Pac-Man parce qu'on n'a pas envie d'être loin parce que Richter va vraiment abuser de ses forces de loin et peut casser la grande facilement. Je pense à la pomme en lecture de jump qui ne suffira pas. On lui donne l'air F tilt et là on a un gazon qui reprend l'avantage doucement mais non, finalement c'est Denis avec près à 60% d'avance déjà. Il arrive à très bien gratter et cette fois-ci il va pas en le sharp pour l'instant. Il arrive à éviter cette phase qui lui a été fatale pendant la game précédente. Et il peut même se faire le plaisir de charger ses ressources et de F-smash un adversaire. Seulement 40% de prix et une stock. Jolie avance. Ici on trouve la dash pour casser l'hydrant. On a un Gazo qui arrive un peu plus à poser son jeu sur une deuxième partie de game. Mais on a un Denis qui arrive à comprendre peut-être un peu plus ses habitudes, qui arrive à mieux jouer autour du Richter. Le grab qui est trouvé back throw, on prend cette position, et là c'est peut-être le grab, bien vu la zone rouge qui passe. Back cross, up smash qui ne touchera pas malheureusement, mais c'était très très bien vu de la part de Gazo. Les steps sont souvent très bien trouvés par Gazo, assez impressionnant à ce niveau-là. La back cross, neutral beat qui ne passera pas. Trop de setups qui passent pas pour l'instant hein, sur cette game, c'est un peu dommage pour Gazo. En tout cas ça profite très bien de Denis qui arrive à trouver ce deuxième F-Smash dans cette game. Il est tenté de F-Smash, ils sont tous les deux passés, ici le strap, bien le grab, mais qu'est-ce qu'il nous fait. Oh là 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 là, les phases. Mais deux persos trop saucés par contre, on en parle ou pas. Les persos c'était trop stylé hein. Malheureusement ça passe pas, le F-Smash qui a pas touché grâce à la water. Et on a une stock complète d'avance de part de Denis parce qu'on a un Gazo qui n'arrive pas à trouver la stock. Alors,
Oh, donc Gazo a actuellement un déficit de stock et ça se voit sur Carland de Ligue qui a 100%. J'arrive, il fait ce VS match, il prend la stock, ça c'est tout à l'heure sur les cartes par jour. Et alors là depuis tout à l'heure on n'a pas eu une seule situation de frappe de la part de Bunny à Pathé Dodge. Ça explique beaucoup de choses. Non mais on a Tony qui est en train de se faire reverse tour. Il a une vitesse grand V de là on a l'edge frappe par contre. Oh la roll, il roll juste derrière. Il a pas de cover la roll. Let's go, Trish! La transition, l'Holy Water pour le ledge trap. On sait qu'on a un peu de temps parce que c'est vraiment tempo avec Batman. Ce qui était très bien fait, le shield! Est-ce que le shield, Drake? Ah non, la punition qui a pas été trouvée. Ça aurait pu être la stock, ça aurait pu être l'avance et la prise de cette deuxième game ici. Oh le melon qui touche! Il a pas bougé d'un centimètre. Gazo a foutu droit dans la gueule du loup. Ce melon, très bien trouvé. Ah, le melon qu'il a! T'es drôle, toi! Et on est drôle, nous! Si Gazo trouve la stock maintenant, il pourrait facilement revenir. Donc, pour Donny, il faut vraiment gratter des pourcentages pour essayer de faire. Et là, c'est fait. Une stock partout, c'est even. Je pense que c'est une très mauvaise idée de stocker derrière. Hein. Ouais, c'est rouge. Tu vois, depuis tout à l'heure, il perd les stocks, il est ultra défense. Et là, il est une perte en fait. Là, ouais, tout à fait. Yet, il va le poser très souvent des avantages. Donc, automatiquement, il se retrouve sur le stage. Et c'est pas évident de jouer avec en fait. Donc, pour un personnage qui a autant de range, il peut vraiment casser la grimpe en deux coups. Actuellement, là, on est vraiment even. Alors, je ne sais pas si even est plus gagné, je pense, mais ça perd trop facilement sa stock, ça perd trop facilement sa stock. Je pense qu'il n'a pas de stock sur son défaut. C'est compliqué, mais en tout cas, ça marche pas si mal que ça finalement pour l'instant dans cette game. Parce que, comme on l'avait vu, on trouve le Galaga. Oh, il a air dodge, il a pas voulu. Il voulait tenter des Z-catch en fait pour faire un Geeko. Ouais, c'est juste que. Et là, j'ai trouvé sur le crossfire, je suis du mauvais côté. Faire attention du côté de Gazo parce que là, on n'est pas bien positionné. On a un Donny qui est prêt à récupérer plein d'options. Oh là là. Oh là là. On laisse le stage pour prendre ce ledge frappe avec la cloche, peut-être, ça pourrait être décisif. On a une tentative de parer du côté de Donny. Oh là là. Très bien vu ça. Mix-up. Attention. L'Holy Water qui a récupéré, ça aurait pu mais l'envoyer dans le mauvais sens malheureusement pour avec ce smash. Il revient avec le side. En fait il voulait Z-catch, il voulait Z-drop, mais il a lancé. Je pense qu'il voulait lancer là devant. 100% des deux côtés. Oh, on a plus de ressources du côté de Donnyon vu qu'on vient de lâcher la clé. Va falloir trouver l'ouverture, le dead grave dans le mauvais sens. FT punit directement. On se revient sur le terrain, attention, le trap, on passe par au-dessus. Il faut pas s'apprendre et l'arrache. Ah là là, c'est ça dommage. L'idée était bonne mais. Le fait de changer la peau de fruits, ça l'a un peu baissé. Et on repart dans cette game 3. Est-ce que Gazo va faire les options de sa vie, hein, parce qu'il partirait donc automatiquement en c'est mauvais, excusez-moi. Il partirait en looser final. Ou est-ce que Dani arriverait à remonter ce set pour essayer d'aller se retaper sa aura, cette précoce qui était en looser final. Mais Gazo, c'est vraiment son avantage, je l'ai pas vu ce match. Ouais, moi aussi. Et je pense que ça pourrait vraiment être à l'avantage de Gazo. Ouais. Le Saoura, ses grosses habitudes, ça peut faire très très mal. Si j'ai un fond de Gazo en grand finage, François, on a double counter pick. Il va m'obliger à jouer Wolf. Oh là là, c'était super bien vu de la part de Donny, ça. C'est très 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 bien vu, ce truc, tout ce damage qu'il a dedans, grind comme ça. C'est bien vu. La cloche, Holy Water qui va s'en. Ah dommage. Ah, mauvais côté la cloche malheureusement. C'est pas grave, on va pas en escape. Là c'est relativement even, sauf que maintenant on a de l'edge trap peut-être. La Ricohai qui est tentée. Pas puni de la part de Gazo. Wouah, heureusement qu'on a fait se faire parce qu'on se prenait light ground, sinon en back on se fait reverse sans faisant qu'on peut. La cloche. Au moins un pire. Oh le retour de cross affaire, c'était fou. Ici le ledge trap qui est posé, la hache qui tue. Et on a une jolie avance. Il faut bien regarder la hache, il faut bien comprendre le timing. C'est pas là une grosse avance qu'on a ici, mais une avance qui fait très mal quand on est mené 2-0 dans un set. Il va falloir vraiment garder le mental côté Donny si on veut remonter dans le set. Ah là là, mais Gazo qui tentait vraiment de choper cet Tyrone qui passait en dessous, mais il y avait. Et pourquoi il a voulu faire ça? Je sais pas. À mon avis, il n'a pas joué avec Tyrone, ça fait chier. Mais du coup, on a un Gazo qui perd cette stock un peu bêtement, mais qui reprend les pourcentages directement après parce qu'on a une grosse pression qui est mise par Gazo. Oui, c'est bien, Donny actuellement qui va back up les damage, il va chercher les combos Galaga bien sûr. Toujours, oh bien vu Donny en pression sur le shield. Bah, attention, c'est Tyrone, il ne peut pas jouer sur son Tyrone, c'est un sacré level. Ah là là, 100% semble compliqué. Bien, Rico High. Mais les Rico High ça marche très bien pour l'instant. Hein. Oh là là, le light run qui a sauvé la vie de Donny. Ici, la cloche qui est 4 tout juste.
Non. Oh là là, il aurait spot dodge ou quoi que ce soit, il était mort. Et là on est even avec un Bunny qui a peut-être ses ressources, qui pose son high ground, qui a chargé sa cloche tout à fait, enlève Shrap et c'est la stock. C'est la cloche du coup qui touche littéralement le cher Gazogen, qui a fait une normalité sur une autre qu'on pouvait voir, mais c'est. Je sais pas, Gazogen des fois il prend des options qui sont assez spéciales. Tout à fait. Et alors le smash qui est chargé, mais Rico Ai, encore une fois, la Goy marche très très bien contre Gazo pour l'instant. Il devait les phases, 12% c'est pas grand chose, mais on prend ici la tech chase, il a failli l'avoir, c'est dommage. Et on cherche l'ouverture, on veut vraiment gratter le boss. Pour lui, tant qu'il ne commit pas, il tire. Voilà, très bien vu, très bien ça. Il a tenté smash, c'était pas... Il avait lu, c'était juste mal space. Ah, oh là là, heureusement qu'on a fait un bon air. Ah, on se prend la pomme. Ah, le cross, back cross. Malheureusement, ici il va falloir trouver la stock, très bon tilt. On a la Galaga de charger, donc c'était plutôt la cloche qu'on ouvrant les straps. Donner, lâche se calmer, Gazo qui est en permanence acculé, il ne peut rien faire. Ah, on touche la non, on saute dans les c'est pas grave, on a 123%. 123%, ça se fait très très bien ici sur le strap. Oh là là. Ici on pose, on touche l'edge, on charge, la cloche qui est sortie, qui part directement. Mais... Voilà, le nerf qui est parti directement. Oh là là, on touche la pomme. La pomme touche. Ah, et le backer, bien vu. Très bien, très, très bien vu de la part de Donny. Et là, ça pourrait être un reverse 3-0 avec le momentum qui revient. On n'avait pas d'option. On avait que l'air dodge du côté de Gazo. Et on part sur Small Battlefield. Il a plus de kits. Peut-être plus de l'échrape. Qui servira très sûrement Gazo Gel. Et pour l'instant. On ouvre la facilité avec un Gazo qui est beaucoup plus sympa. Ouais, Gazo, il a pas envie de faire. Là, Gazo, quand il fait encore du side game, ça l'emmerde énormément. C'est un joueur qui joue très avec le cœur. Hein. Si tu commences à le faire perdre, il peut facilement tilt. Oui, l'inverse est vrai. Moi, c'est pas forcément un truc pour moi. Et pour beaucoup de joueurs, c'est que quand tu commences à avoir un bon momentum, tu es comme si tu étais inarrêtable. C'est un power up comme un effet de bouffon. Je pense que s'il y a un joueur qui peut vraiment revenir de si loin, c'est bien Donny. Donc tout est jouable encore. Oh là là, la Galaga qui est loupée malheureusement. En fait, c'était pas un combo trou parce qu'il a tech sur place. Ouais. Vas-y. Le Kéros en va et donc je vais sous le casque. Du coup, on se retrouve actuellement, je me retrouve actuellement d'acheter tout seul contre Donny, Gazo, et là actuellement, on est là où Gazo ne veut pas perdre sa stock. Donny qui a pas un très gros déficit, hein. On a pas, dans ce match, on n'a pas souvent peur quand on a quelques pourcents et qu'on perd une stock, parce que même si c'est dur de trouver un kill confirme et que la première stock joue énormément, il y a toujours des moyens de comeback et il suffit juste de vraiment être calme, tranquille. Oh là là, la cross qui a été lancée dans le mauvais sens. Ah, on se prend la cross. Oh, on a failli se faire setup, oh mon dieu. Wouah, c'était quoi ça? Oh là, qu'est-ce qui se passe avec les Lightruns? Oh là là, très bien vu. Gazo qui actuellement a quelques difficultés, j'ai l'impression. Donny là qui est remarquable. Très bien, c'est un catch. Non, il fallait dash. Ah, dommage, ça s'est joué à rien du tout. Mais on s'en fiche parce que actuellement tant qu'on sait pas reverse on s'en fiche. Vraiment c'est. Tant qu'on a la stage control. Ah là là. C'est assez bruyant sur certains aspects, mais. Oh dommage. Oh, oh les projectiles qui se. Ah non. On perd sa stock sur une mauvaise DI de la hache. Fais attention au retour de la cross, bien vu, Donny avait pensé. On lance la Galaga, on s'en fiche. F-Smash direct! On loupe le grab du côté Gazo, donc on punit avec un F-Smash. C'était pas spécialement un grab. Oui, en fait, on voulait vraiment grab, mais on a loupé. Donc on a mis ça. Oui, non, dommage. Du côté de Donny. Allez, là, on a actuellement. On est peut-être en game. Oh là là! On est peut-être en dernière stock de la Donny contre Gazo. Enfin, attention à ce trap. Oh, c'était le weak hit du smash. Il faut mix up ça, Rico. Ah, attention. Très bien, un bon dégât de pataque. On se fait pas avoir. On va smash. On rack up 50% contre Gazogène. On fait très attention à ce qu'on va faire. Très bon back air. De toute façon, on se tête contrôle. On va éviter de faire de commit des choses trop dangereuses parce que ça pourrait être la fin de ce set top 4 peut-être pour Donny. On fait très attention actuellement. On se prend la F-throw. On s'en fiche. Le but, c'est de survivre. Oh, power à mort, trou. Presque. Oh non. Le angled back air.
qui a été vraiment bien space de la part de Gazo. Ah, on y a cru comeback, mais c'est un très 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 bon angle back air.